Coucou à tous et bienvenue sur cette mini guidance. J'ai eu l'envie de venir ici pour vous faire cette guidance, le guidance dont vous avez besoin en ce moment et je travaillerai avec cette tarot, cosmique tarot, ok? Et l'oracle de l'intuition pour vous apporter une certaine clarté sur la situation actuelle. Donc, quelle guidance avez-vous besoin et quels sont les conseils pour cette situation? C'est un tirage rapide, un mini tirage très précis et très clair. Pour cela, je vous invite de choisir une carte avec l'image qui s'affiche tout de suite. Donc, 1, 2 ou 3, choisissez l'une de ces images qui vous parlent, qui correspondent à votre énergie. Choisissez l'une de ces images qui correspondent à votre ressenti du moment et je vous donnerai, je vous indiquerai le message derrière cette image pour vous, ok? Donc prenez votre temps, ne soyez pas pressés, écoutez votre intuition. Si vous regardez cette vidéo, il n'y a aucun hasard. Je pense que l'univers vous a amené ici. Ce tirage vous est destiné. C'est pourquoi vous voyez cette vidéo. OK? Donc, prenez votre temps, observez cette image et suivez votre intuition. Pour certains qui écoutent, choisissez un nombre, 1, 2 ou 3, et suivez votre intuition. OK? Et on se retrouve dans un instant pour voir le guidance. Pour vous, d'accord? Le guidance pour vous. Ce que vous devez savoir, comment vous devez gérer la situation que vous vivez et les messages qui vous est destiné. D'accord? C'est parti pour ceux qui ont choisi. Merci d'être là. Likez, laissez un commentaire et à bientôt comme d'habitude. Et si vous souhaiterez davantage soutenir cette chaîne, visitez ALD1111 TV pour découvrir d'autres tirages exclusives. D'accord? Donc, je vais commencer pour ceux qui ont choisi. À tout de suite. Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette image. Allons-y pour voir votre guidance. Le guidance que vous avez besoin en ce moment. Quelle est cette guidance? Allons-y pour le découvrir ensemble. Groupe numéro 1, quelle est leur guidance? Donc, ce qui ressort ici, c'est un roi de coupe. Le roi de coupe représente le coupe déjà en général se relie à nos sentiments, nos émotions, notre état émotionnel. Et cette guidance a l'air de se tourner vers un état émotionnel, vers un état de sensibilité, mais de réceptivité à travers cette sensibilité que vous ressentez à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? Et en ce que je peux voir ici, cette guidance représente le fait de nourrir une connexion, le fait de nourrir une relation, le fait de rétablir une certaine flexibilité, une certaine fluidité dans le lien que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? Et le fait que le roi de coupe ressort dans votre guidance, j'ai comme l'impression que le message pour vous, c'est que groupe numéro 1, vous devez avoir fier de vous. J'entends, sois fier de vous. Vous avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès. Peut-être que ces progrès semblent petits parce que ce sont des progrès qui sont ressentis à l'intérieur. Ce ne sont pas des progrès que vous voyez à l'extérieur. Mais ce que je vois ici, c'est que je ressens le besoin de vous transmettre ce message en vous disant, reposez-vous. Vous avez fait tout ce qui était dans votre possible dans cette situation. Soyez fiers de ce que vous avez apporté dans cette énergie. Soyez fiers de ce que vous avez transmis dans cette énergie. Soyez fiers de ce que vous avez réussi à dépasser dans cette énergie. Et j'entends aussi, arrêtez d'essayer de vous fixer. Arrêtez d'essayer de vous fixer, de vous réparer à chaque fois. Vous n'avez plus besoin de vous réparer parce que vous n'êtes pas cassé. Arrêtez de croire que vous êtes cassé.
Arrêtez de croire que vous avez besoin de constamment être en réparation parce que vous attendez des messages qui vous disent réparez-vous, réparez-vous. Vous êtes exactement comme vous devez être. D'accord? Et le fait que le roi de coupe ressort dans cette carte ici, je ressens le fait de voir chaque chose à travers l'œil de l'amour. D'accord? Je ressens, j'ai l'impression que vos guides vous disent, regarde cette situation avec l'amour. Diffuse de l'amour dans la situation que vous vivez dès à présent. D'accord? Apporte de l'amour. Ta force, ta réelle force ici, c'est l'amour dans cette situation. Et en regardant cette carte, j'ai comme l'impression que, groupe numéro 1, il y a une réelle évolution actuellement dans la situation que vous vivez. L'évolution reste invisible pour l'instant, mais quelque chose se passe pour vous. Quelque chose est en préparation pour vous. Quelque chose se manifeste ici pour vous. D'accord? Ne laisse pas ce que vous ne voyez pas dans cette situation vous infliger la souffrance et la peur. Et le fait que je vois cette roi de coupe comme énergie, ça représente cette harmonie, le fait de se réconcilier, le fait de retrouver la communication, le fait de rétablir le lien, le fait d'être en capacité d'évoluer dans la situation actuelle. Ce que je peux voir pour vous, c'est que vos guides spirituels veulent que vous servez de l'empathie pour vous. Vos guides spirituels veulent que vous preniez cette gentillesse que vous diffusez dans le monde déjà dans votre propre énergie, dans votre propre être. D'accord? Vos guides spirituels veulent que vous preniez du plaisir à accueillir plutôt qu'à donner pour l'instant. Il y a un besoin ici, groupe numéro 1, d'être dans l'accueil, de recevoir, de concevoir, de nourrir. Il y a vraiment un besoin de nourrir. Et les guidances pour vous, pour le moment, pour ce moment présent, c'est que vous avez besoin de vous nourrir davantage. Vous avez besoin de vous aimer davantage. Vous avez besoin de vous regarder avec l'œil de l'amour. Si vous voulez que cette personne vous regarde avec l'amour, si vous voulez recevoir l'amour dans cette situation, eh bien, diffusez l'amour autour de vous. Et quand vous cultivez cette graine d'amour, tout naturellement, cette même énergie, vous le diffusez autour de vous. Donc, l'empathie, l'amour, ce sont des guidances que vos guides spirituels vous amènent comme message dans cette situation. L'empathie, la sagesse émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, l'écoute émotionnelle, c'est exactement les guidances dont vous avez besoin pour le moment. Et en termes de prédiction, en regardant cette carte, le fait que cette roi de coupe soit dans votre tirage, je sens une réelle bonheur dans votre avenir. Je ressens le fait d'être apaisé, le fait d'être rempli d'amour, le fait d'avoir l'amour tout autour de vous et le fait d'être comblé émotionnellement, le fait de faire le deuil de cette situation, le fait de traverser les hauts et les bas de cette situation, mais de finalement avoir une réelle plénitude et une réelle joie à la fin de cette situation. D'accord? Ce que je peux voir aussi pour vous en termes de messages dont vous avez besoin pour avancer, c'est le prince de coupe. Dis donc! Vous avez ici le prince de coupe. Et je trouve cette carte assez magique parce que nous avons Cancer et nous avons aussi Scorpion qui ressort dans votre tirage. Et Cancer transforme, d'accord? Ça transforme. Ça transforme ce qui paraît impossible à quelque chose de possible. Cancer, de Scorpion, ça, c'est le symbole de la renaissance dans le tarot. Et le prince de coupe représente cette jeunesse.
ça représente ce regard neuf dans la vie ou sur la situation. Ça représente cette excitation, cette joie de vivre, cette gaieté, cette capacité à rendre tout ce que nous voyons beau en fait. Ça représente cette maturité, cette intelligence et ce jeu, cette flexibilité de la vie. Pour beaucoup d'entre vous, groupe numéro 1, le fait que vous avez eu un prince de coupe dans ce tirage, je sens une offre. J'ai le sentiment que l'univers veut que vous soyez réceptif parce que quelque chose s'approche de vous. D'accord? Quelque chose arrive. Et ce qui arrive ici demande votre attention, demande votre observation, demande votre ressenti, demande aussi votre écoute. D'accord? Quelque chose s'approche de vous, quelque chose d'important est censé se manifester très prochainement. Et la raison pourquoi vos guides spirituels veulent que vous soyez préparés avec l'énergie de l'amour permet de prendre en considération ce qui s'approche, ce qui se présente et permet éventuellement d'être suffisamment à l'écoute pour transformer cette énergie et activer l'énergie que vous avez besoin pour avancer dans la situation. Ok? Le conseil pour vous ici, groupe numéro 1, les conseils pour vous, quel est le conseil? Le conseil pour vous ici, c'est l'entrave. Waouh! L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, ce qui se passe ici avec l'entrave ici, c'est le fait de oser explorer et de oser s'approcher ou de oser aller vers ce que vous désirez le plus. De ne pas laisser peut-être la peur de l'amour ou la peur de ne pas être accepté, la peur d'être rejeté ou la peur d'être abandonné. De ne pas laisser cette peur vous bloquer à cultiver l'amour ou à évoluer dans l'amour sur cette situation. Et le fait que nous avons, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, c'est que l'offre en question qui se présente vous donne la permission, vous donne l'autorisation de faire exactement ce que vous voulez et d'obtenir des résultats positifs par rapport à ce que vous faites actuellement. Et ce qui se cache en bas de votre oracle, c'est la clarté. Waouh! La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. D'accord? Donc, ce que je peux voir ici pour conclure votre message, c'est que le fait de changer votre perception émotionnelle d'une situation peut rendre l'histoire de la situation différente de celle que vous avez peur de vivre. Le fait, je répète, de changer la perception, votre perception émotionnelle de cette situation peut changer le résultat de la situation et de vous donner un autre résultat de la même histoire. Donc, vos guides vous disent, tourne votre regard, regarde cette situation avec l'amour, ose vous faire confiance, ose vous donner cette permission d'aller vers ce que vous voulez. Ose dépasser la peur que vous avez à l'heure d'aujourd'hui, ose suivre la voie de votre cœur et vous verrez que tout deviendra clair et que la réalité que vous vivez au jour d'aujourd'hui, vous pouvez le changer. Merci, c'est tout ce que je vois avec amour. Merci beaucoup. Je passe au deuxième groupe. Vous pouvez aussi découvrir d'autres tirages sur ALD1111 TV. Merci de votre abonnement. Merci de votre présence. Et je vous souhaite une agréable journée et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Groupe numéro 2, donc bienvenue, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre guidance en ce moment, la guidance dont vous avez besoin en ce moment. Votre guidance du moment, ok? Sur la situation que vous vivez, sur l'énergie que vous avez, votre guidance. Donc, pour vous, nous avons le 3 de pentacle. Wow! Ok! Donc,
Je regarde cette carte et je me rends compte qu'il y a plein de choses qui se passent. Il y a tellement d'efforts dans cette carte. Il y a tellement d'efforts, il y a tellement de choses qui se passent dans cette carte. Il y a tellement de travail. Ce sont des artisans. Ce sont des personnes qui travaillent dur, qui essayent de construire quelque chose de dur. Et le message qui me vient en tête, c'est l'idée du temps, groupe numéro 2. C'est l'idée du temps. Il y a quelque chose qui prend du temps. Je vous vois tourner droite-gauche en disant, mais pourquoi ça prend du temps ou pourquoi les choses traînent? J'ai le sentiment que cette carte amène l'ordre du temps ou l'idée du temps ou les choses que nous devons réaliser, mais les choses qui prennent du temps. Et ça représente aussi la définition du temps et les raisons pourquoi le temps est nécessaire pour atteindre l'objectif en question. Parce que les pentacles représentent votre carrière, ça représente votre finance, ça représente tout ce que vous avez envie de donner forme, tout ce que vous avez envie de réaliser, votre réelle réalisation, le fait de travailler, d'être payé ou d'être, de se sentir accompli, d'avoir un réel accomplissement personnel dans l'effort que vous faites à présent. Et la guidance que je vois dans cette carte ici, en regardant cette carte, c'est que il y a du travail. Oui, il y a du travail. Il y a cette notion d'effort, il y a cette notion aussi de persévérer, d'aller jusqu'au bout, de continuer à construire ce bâtiment, de continuer à construire cette idée. J'ai bien l'impression que vos guides vous amènent un message de ne pas arrêter de faire ce que vous faites actuellement. Je ressens, n'arrête pas de construire cette idée, n'arrête pas de faire ce que tu fais actuellement. N'arrête pas d'aller et de grimper ou de se donner le droit aussi de vouloir progresser. D'accord? Et pour d'autres d'entre vous, j'ai le sentiment qu'il y a un besoin d'apprendre quelque chose. Il y a un besoin où tout simplement la situation que vous vivez vous apprend des choses qui vous permettront de vous réaliser ensuite. L'une de ces messages peut être vraie, d'accord? Je ressens ces deux messages et j'ai le sentiment que ces deux messages ont l'air d'être en train d'essayer de s'immerger à l'intérieur de vous. Le 3 de Pentacle montre votre création. Ça montre votre plus belle création et l'effort qui vous a fallu pour créer ce que vous créez à l'heure d'aujourd'hui. Et ça montre aussi l'idée d'être une sorte de perfectionniste, d'être dans la détail, d'être dans la précision et de persévérer dans l'effort actuel parce qu'il y a une récompense derrière cet effort. Et j'ai le sentiment que votre guidance à l'heure d'aujourd'hui ici, c'est que tout ce que vous faites à l'heure d'aujourd'hui vaudra de la peine dans quelques temps. D'accord? Tout ce que vous faites à l'heure d'aujourd'hui, qui paraît peut-être pour certains difficile, compliqué et qui devient un poids, aura une réelle reconnaissance dans quelques temps. Le message pour vous, c'est de ne pas s'arrêter. Le message pour vous ici, c'est de continuer à vous améliorer. Vos guides spirituels veulent que vous poussiez cette savoir que vous essayez de vous accomplir davantage, que vous retournez à l'école. J'entends retourner à l'école, apprendre cette métier, apprendre ce travail, prendre au sérieux tout ce que tu as appris dans ce travail, cultive davantage sur ce travail. Donne-toi le droit ou la liberté d'en savoir plus. La vie est une école. Tu passeras ta vie à apprendre. Chaque chose que tu vis t'apprend et peut-être que cette apprentissage est quelque chose que tu transmettras aussi aux autres. Servez-vous de cette expérience comme une leçon qui renforce votre pouvoir personnel et qui vous aide éventuellement à avancer en étant sûr de vous. Parce qu'à chaque fois, il y a un proverbe qui me vient en tête, tout ce qui vous tue pas vous rend davantage beaucoup plus fort. C'est ça, tout ce qui ne vous tue pas vous rend davantage plus fort. Et ce n'est pas un hasard que vous regardez cette vidéo.
persévérer. Le fait que je vois ce 3 de pentacle ici comme énergie peut éventuellement représenter 3 possibilités, 3 idées, d'accord? 3 projets, 3 projets de vie que vous envisagez. Et peut-être que ces 3 projets prennent du temps à se mettre en place, mais chacun se mettra en place au moment où ça doit se mettre en place. Ne vous arrêtez pas, d'accord? Quelqu'un vous observe. Quelque chose arrive, quelque chose de positif arrive pour vous montrer le progrès que vous avez fait. Donc, ne laissez pas l'ordre du temps ou l'idée du temps vous décourager de ce que vous faites. Il y a du progrès. Et ces progrès, je pense que même si vous avez du mal à accepter, regardez-vous. Vous n'êtes pas la même personne que vous étiez il y a 2 mois, il y a 1 mois, il y a 1 an, carrément. Vous avez changé. Donc, forcément, les choses aussi ont changé dans votre vie. J'entends persévère. Et j'entends aussi avec cette carte, j'entends diplôme. Tu es diplômé. Tu es diplômé. J'entends le fait d'être diplômé dans quelque chose. J'entends le fait d'être un expert dans quelque chose. J'entends le fait d'améliorer votre savoir et d'avoir des sources de revenus ou même d'avoir 3 sources de revenus. Donc, on va voir aussi parce que on va voir quel est cet autre message qui vient ici pour vous. Quel est cet autre message qui vient pour vous ici? L'autre message ici, c'est le 3 d'épée. Je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Reprogrammez votre esprit, groupe numéro 2. Reprogrammez votre esprit. Il y a une tendance à l'auto-sabotage ou une peur de l'échec ou une peur, parce qu'on a encore une fois, on a le 3, d'accord? Il y a une tendance à l'auto-sabotage ou une peur de l'échec qui mène vers la confusion et qui vous rend esclave de vos pensées. D'accord? Qui vous rend esclave de vos pensées et qui vous prisonne dans une réalité qui n'a rien à voir avec la réalité que l'univers prépare uniquement pour vous. J'entends, libère-toi de tes idées. D'accord? Libère-toi de tes idées qui vous auto-limitent. Reprogramme ton esprit. Je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Reprogramme votre esprit à croire en vous. Reprogramme votre esprit à être dans l'effort. Reprogramme votre esprit à vous améliorer. Reprogramme votre esprit à consommer uniquement des informations qui augmentent votre taux vibratoire à être dans cette compréhension de votre existence ici. D'accord? De la valeur que vous apportez ici. Parce que groupe numéro 2, vous détenez à l'intérieur de vous beaucoup trop de valeur pour gaspiller cette énergie à croire que vous n'avez rien à offrir. D'accord? Donc, le conseil que vos guides spirituels souhaitent vous transmettre ici, c'est « Je vois les choses exactement telles qu'elles sont. » Ça veut dire que j'arrête de me fausser, d'accord? J'arrête de laisser la peur de l'échec me rendre esclave de cette situation que je vis et je commence à me relier à mon moi le plus supérieur pour voir la totalité de ce que je suis et pas le petit grain de sable de ce que je suis. D'autres messages que je vois ici pour vos groupes numéro 2 ici, c'est le 2 de bâton. Donc, choisissez d'aller de l'avant. J'entends, choisissez d'aller de l'avant. Je sens pour vous qu'il y a 2 voies. Il y a 2 possibilités qui s'offrent ici à vous. D'accord? Il y a 2 directions. La réponse, vous le connaissez, la réponse est à l'intérieur de vous sur cette 2 directions. Vous aurez la capacité et l'habilité nécessaire pour gérer ces 2 voies, mais c'est à vous de choisir. Ce n'est pas à qui que ce soit d'autre de choisir.
C'est à vous de choisir. Et j'entends, il est temps de regarder droit devant vous et d'aller de l'avant. Il est temps de vous exprimer. Il est temps de montrer le monde de quoi vous êtes fait. Il est temps de sortir de votre zone de confort et d'être active dans votre réalité. Nous avons tous des pouvoirs de création. Les humains ont tout créé dans cet univers. La voiture a été créée par un humain comme vous, comme moi. D'accord? Tout a été créé. Votre pouvoir de création existe à l'intérieur de vous. Donc, en ce moment, il est temps de prendre l'action et de faire le nécessaire pour aller vers cette création. Si vous avez eu des idées, des envies, si vous avez eu des rêves, si vous avez eu ces messages qui arrivent sans cesse pour vous dire qu'il est temps de créer, ce n'est pas un hasard que cette énergie existe à l'intérieur de vous. C'est parce que l'univers vous considère capable de mener ce projet jusqu'au bout. Donc, réalisez-vous et sachez que la suite sera positive pour vous. Persévérez. Et pour votre oracle comme message, nous avons ici les mots. Les mots, nos pensées, nos idées. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'ampleur de certains mots que vous utilisez. Bien sûr, si vous servez des mots comme « je ne suis pas comme les autres, je n'arriverai pas, les autres ont mieux que moi, ou peut-être que moi, je n'ai pas ce qu'il faut », forcément, vous êtes en train de programmer votre inconscient à dire « eh ben, n'avance pas, reste où tu es parce que les autres iront plus vite que toi ». Alors que si vous commencez à écrire dans votre journal, à faire le saut quantique, à vous visualiser là où vous avez envie d'être, d'accord? À programmer votre esprit à y arriver déjà. Comme, regarde dans votre esprit, regardez-vous, imaginez-vous arriver à ça. Et c'est exactement ce que votre conscient fera au fur et à mesure. Votre subconscience, si vous la programmez à dire et à croire que tout ira bien, et bien, c'est exactement cette énergie que vous allez réussir à manifester. Donc, groupe numéro 2, vas-y au bout de vos rêves. Faites ce que vous avez à faire. Vous êtes sur la bonne voie. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Ne laissez pas le temps vous faire croire le contraire. Changez vos habitudes et votre manière de penser. D'accord? Donnez-vous le droit de voir au-delà de votre ego. OK? Choisissez la voie qui correspond à votre identité, votre direction. Exprimez-vous. Vous avez beaucoup de talent. Et servez-vous des mots pour manifester une nouvelle réalité. Voilà le message. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Je vous envoie plein de courage et plein d'amour. N'oubliez pas de visiter ALD1111 TV pour découvrir d'autres vidéos comme ceci et d'autres thèmes. Like, merci de vos abonnements. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et à bientôt. Ciao. Coucou les groupes numéro 3, bienvenue sur votre lecture, votre guidance du moment, ok? Nous allons voir ensemble quelle est cette guidance dont vous avez besoin maintenant, ok? Donc c'est parti, votre guidance du moment. Donc pour vous, nous avons le prince de Pentacle. Le prince de Pentacle dans cet tarot représente le cavalier de Pentacle. OK? Et en regardant ce cavalier de Pentacle, parce que le Pentacle représente notre éducation, notre valeur, les choses que nous créons, les choses que nous faisons constamment, notre routine de vie, notre parcours de vie. Et en regardant cette carte, j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de remise en question, d'accord? J'ai le sentiment que le message ici, c'est de s'arrêter un moment et d'observer ou de réévaluer ou de se remettre en question. Il y a quelque chose avec le fait de se remettre en question parce que votre cavalier ici observe.
Il y a cette notion d'observation. J'entends que le message pour vous, c'est observe. Observe cette personne. Observe cette situation. Reste attentive par rapport à ce que tu vois dans cette situation. Et je sens que votre valet, votre cavalier, pardon, de Pentacle, s'est arrêté pour observer une opportunité actuelle. Il y a une réelle opportunité ou une possibilité à votre disposition. Parce que si vous regardez, vous disposez d'un denier, d'un pentacle dans vos bras. Donc, et j'entends aussi le fait de commencer quelque chose. Beaucoup d'entre vous, groupe numéro 3, j'entends que vous êtes au stade 1, 2 ou 3. D'accord? Vous avez peut-être démarré votre entreprise, vous êtes peut-être des entrepreneurs, vous avez démarré votre entreprise, vous avez peut-être l'idée de démarrer quelque chose, peut-être même que vous faites des travaux ou peut-être que vous avez peut-être des projets d'aller à l'étranger pour faire vos études, finaliser vos études, peut-être même que cette cavalier de Pentacle représente ce que vous allez envisager de faire prochainement. Parce qu'il y a cette idée de se remettre en question et à travers cette remise en question, de prendre tout ce que vous avez peut-être vu ou tout ce que vous avez peut-être cultivé dans cette situation pour en faire quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai comme le sentiment que cette cavalier ici représente les parts que vous avez besoin de faire pour arriver jusqu'au sommet de cette montagne qui se trouve derrière vous. J'entends continuer à grimper. D'accord? Continuez à grimper. Ne vous arrêtez pas. Le message entre 2 et 3 se relie. C'est différent peut-être, mais c'est aussi chouette peut-être même d'écouter le 2 et ensuite écouter le 3 parce que j'ai le sentiment que ce troisième choix représente les deuxièmes groupes, ce qu'ils ont réussi à faire ensuite. Et j'ai le sentiment que cette cavalier de Pentacle ici, c'est ce que vous avez réussi à faire. Groupe numéro 3, je viens d'avoir un flash. Tu viens d'avoir un flash. Et le flash que je viens d'avoir ici, c'est le fait d'être accompagné de quelqu'un d'importante. D'accord? Je viens d'avoir un flash d'une personne qui vous accompagne, quelqu'un qui joue le rôle d'un mentor, quelqu'un qui vous apprend des choses, quelqu'un qui vous guide ou qui vous aide à être dans l'initiation de quelque chose. Il y a comme une personne ici qui vous est destinée, au niveau sentimental peut-être, au niveau carrière, il y a quelqu'un qui vous est destiné. Cette personne peut avoir le rôle de vous aimer, de vous accompagner, de vous guider, de vous aider en tout cas à atteindre vos objectifs, mais ce que je vois ici, c'est de recevoir certaines critiques, certains conseils de cette personne, parce que cette personne vous veut du bien. Cette personne veut ce qu'il y a de bien pour vous. Donc, si vous connaissez cette personne et que des fois vous vous demandez est-ce qu'il ou elle a de bonnes intentions à mon égard, j'ai l'impression que cette personne a de très très bonnes intentions. Cette personne a été envoyée, d'accord, pour vous donner la solution à votre problème. Cette personne a été envoyée pour vous enseigner des choses, pour vous apprendre des choses, pour vous guider en tout cas à recevoir ce que vous cherchez à recevoir dans cette situation. Et en même temps, dans un aspect général, votre prince de Pentacle ici vous donne cette notion de valeur, cette notion de continuer à grimper, d'accord? Continuer à avancer, continuer à faire ce que tu fais dès à présent. C'est chouette, c'est top, d'accord? Mais tu verras que une fois arrivé au sommet, il y aura tellement de choses encore magiques qui attendent que tu puisses l'ouvrir et l'explorer. Et j'ai envie de savoir aussi d'autres informations dans cette carte parce que j'ai le sentiment que le message, il y a comme une sorte d'énigme dans votre message. Regarde. Ouh!
Regarde, les amants, qu'est-ce que je vous ai dit? On parle ici d'un partenaire. Regarde ça. Regarde ces deux personnes ensemble. Je vous ai dit, j'ai eu une vision. C'était clair. Je vous voyais ici avec quelqu'un d'autre. Groupe numéro 3. Ensuite, l'énigme, on vient de le découvrir. Il y a une personne qui arrive très prochainement dans votre vie. Si vous êtes célibataire et que vous regardez cette vidéo, il y a quelqu'un d'important qui s'approche prochainement ici, qui arrive très prochainement dans votre vie. Cette personne est amenée à vous aimer. D'accord? Cette personne vous amène l'amour inconditionnel. Et le message ici, c'est je suis la sagesse de mon cœur et je m'engage en toute confiance. C'est quelqu'un. Ouh, il y a mes chats qui crient d'un coup. Ils sont là en disant, vous voyez, c'est quelqu'un qui souhaite vous voir, quelqu'un qui souhaite vous appeler, quelqu'un qui souhaite. Regardez, écoute. Écoute mon chat. Vous voyez? Oui, j'arrive, mon chat. Il y a mes chats qui pleurent. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui souhaite vous discuter avec vous, quelqu'un qui souhaite vous parler, quelqu'un qui souhaite vous transmettre des choses. Groupe numéro 3, votre message ici, c'est qu'il y a un partenaire. Il y a une personne. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne, mais vous ferez des grandes choses avec cette personne. Cette personne vous est destinée. Cette personne est destinée à vous transmettre des choses, est destinée à vous accompagner. Ce que vous allez réaliser avec cette personne sera incroyable. Et le dernier message avant de choisir l'oracle ici, groupe numéro 3, c'est un axe de pentacle. Préparez-vous à une abondance. Vous êtes ceux qui vont générer sans cesse d'opportunités. J'ai le sentiment de vous voir générer une opportunité, un partenariat, un contrat, une signature. Il y a quelque chose que vous attendez ici parce que je vous vois attendre. Vous attendez quelqu'un, vous attendez quelque chose. Quoi que ce soit que vous attendez ici arrive. Quoi que ce soit que vous attendez ici, quoi que ce soit que vous désirez ici, quoi que ce soit que vous avez envie d'obtenir ici, grâce à cette connexion, grâce à cette personne, grâce à ce partenariat, grâce à cette information que vous allez recevoir, grâce à cette opinion, cette critique, cette information auquel vous allez vous informer, il y a une réelle abondance qui se présente ici pour vous. D'accord? Décrochez votre téléphone. Car ça va sonner bientôt, d'accord? Décrochez votre téléphone, écrivez cette mail, d'accord? Partagez ce contenu, ok? Allez jusqu'au bout avec cette personne. Va vers cette rencontre, acceptez cette rencard, explorez cette connexion. Un axe de pentacle représente une situation stable, quelque chose qui est à vous, quelque chose que personne d'autre peut vous enlever un foyer, une maison, une voiture, quoi que ce soit que vous désirez dans cette connexion, un salaire, quelque chose vous appartient. Et j'entends, reçois ce qu'on te donne. Reçois exactement ce qu'on te donne. Pour votre carte d'oracle comme énergie, nous avons la cohérence. Ouh! Écoutez. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, groupe numéro 3, je vais répéter. On vous dit tout simplement, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, groupe numéro 3, vous êtes en position de recevoir davantage car l'énergie actuelle dans votre corps circule librement. Car cette personne ou cette situation qui se présente est la cohérence dont vous avez besoin pour accéder au niveau supérieur. Vous avez fait niveau 1, niveau 2, niveau 3. Il est temps
d'aller vers un niveau supérieur. Et je sens que cette personne, cette situation, cette opportunité, cette connexion et cette accélération, cette énergie qui vous mène vers le niveau supérieur. D'accord? Voilà ce que je peux voir ici. Préparez-vous parce qu'il y a une réelle abondance qui arrive pour vous. Vous êtes le groupe qui va pouvoir recevoir le plus d'abondance dans ce message. Donc, préparez-vous à la suite car ce qui se présentera prochainement est vraiment magique. Merci beaucoup. Merci de votre présence. N'oubliez pas de visiter ALD1111 pour découvrir mes autres contenus. Like, laisse un commentaire et on se dit à tout bientôt. Bye.